Du coup, c'est dimanche, on est parti chez le coiffeur, on a été manger, c'était trop bien. Et donc là, on va emmener Milan au zoo, on y va tous ensemble. Donc voilà, bon, j'ai le ventre, les gars, qui va exploser, regardez. Il est bien, bien, bien rond là. Voilà. Et à la base, je fais 55, donc ouais, j'ai presque pris 20 kilos, mais voilà, en détente. Du coup, je mange des plus petites portions parce que sinon je pense que je vais exploser. J'ai vu une date, donc comme je vous ai dit, par rapport à mon accouchement pour la césarienne, que mon gynéco m'a conseillé. Comme la première fois, j'avais eu des complications et je vous cache pas que ça m'a eu des complications pour mon fils. Et donc du coup, comme c'était dans l'urgence et tout, voilà, ça m'a un peu laissé une mauvaise expérience. Donc c'est pour ça que j'ai programmé donc une césarienne. Mais le gynéco m'a dit qu'à ce stade, oui, je pouvais accoucher peut-être avant. C'est pour ça que, voilà, je ne sais pas exactement, je sais la date de mon accouchement, mais je sais que ça peut venir aussi avant. Ça va pas tarder, on parle en jours, on parle plus du tout. On parle en semaines, on va dire. En petites semaines. Donc, j'en ai profité, j'ai refait une trousse RP Parfum avec des nouvelles odeurs. Ça sent le parfum, il n'y a pas. En fait, cyclé par là, j'ai mes petits encas. En gros, ne pas en vouler aussi. Et en fait, fois de commande, bah, la plupart des produits. On dirait ton doudou. Yeah, it's look like your doudou. C'est bon, montre. Oh, il est en train de grossir. Stylé. Tu vois? Il a fait.